Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, oups, j'ai ma voix qui s'en va. Nous allons faire un super rituel, très rapide et très simple. Donc ce rituel, c'est, donc il, elle sera à tes genoux devant toi. Il, elle ne pourra plus être heureux sans toi. Approuvé 100%. Alors, c'est-à-dire que la personne, sans vous, elle ne pourra pas être bien. Donc, si vous êtes disputé, si vous voulez sortir avec la personne, que ce soit un homme ou une femme, ou si la personne est à distance, eh bien, vous allez faire en sorte que la personne, vraiment, elle ne puisse plus être bien sans vous et qu'elle se rende compte vraiment que, ça peut être avec un ex aussi, qu'elle a besoin de vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra pour ceci? Il nous faudra un papier. Il nous faudra un bic. Seulement, voilà, le papier et le bic. Alors, n'oubliez pas de récupérer votre atelier gratuit. Ce sera en haut à droite ou à gauche. Je crois que ce sera à droite. Vous cliquez dessus et vous aurez un atelier gratuit qui va vraiment vous aider pour les rituels, pour tout en fait, avec la loi d'attraction également. Et pour ceux qui veulent vous assister au rituel gratuit et pour ceux qui, c'est dans là-bas, dans le i, sur le i en haut à gauche. À droite, et donc ceux qui veulent aller plus loin, eh bien vous verrez. Et si vous êtes intéressé pour faire des rituels personnalisés, que je les fasse à votre place, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur cet email uniquement ou m'envoyer un WhatsApp. Ça sert à rien de m'appeler, envoyez-moi un WhatsApp, comme ça ben, je vous répondrai dès que je suis, que je suis disponible. Et donc je mets ça, voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent aussi mes vidéos, donc comme ça. On saura qu'il faut me contacter, moi. Alors, n'oubliez pas également, avant de commencer le rituel, que nous avons les livres de coaching. Donc, vous tapez Faraquet sur Amazon. Comment sortir d'une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger. Comment devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou amoureux. Donc, ce sont des livres de coaching, hein, ce sont des exercices. Vous êtes avec moi, c'est comme si je vous coach, juste que vous le lisez. Il y a aussi la loi d'attraction. Voilà. Avec plein d'exercices et des secrets jamais révélés sur Internet. Et nous avons les trois livres de rituels, les trois tomes de rituels d'amour, donc qui sont exclusifs. Donc il y a les photos, les rituels, vous verrez, c'est top. Et donc des rituels que vous ne trouverez pas sur YouTube. Allez, on va démarrer. Donc, on va prendre. Alors. On va prendre le papier et on a le stylo. Avant ça, vous allez réciter le nom et le prénom de la personne pendant 3 jours, c'est-à-dire le soir ou le matin ou quand vous regardez le rituel, vous récitez nom, prénom, nom, prénom, 21 fois, hein. Nom, prénom. Par exemple, Patrick Dupont, Patrick Dupont, Patrick Dupont, en mettant votre main sur votre cœur. La main gauche sur votre cœur. Et vous récitez 21 fois. Le lendemain, vous allez réciter à nouveau 21 fois le nom et le prénom de la personne. Donc Patrick Dupont, Patrick Dupont, Patrick Dupont. Je vous explique pourquoi on fait ça. Le lendemain, la même chose. Donc Patrick Dupont, 21 fois. Pas plus ni moins. Pourquoi? Parce que là, on va entrer vraiment. Spirituellement en connexion avec lui, avec la personne ou elle, si c'est une femme. Ensuite, vous allez écrire sur le papier le nom plus le prénom. Sur le papier. Vous ne mettez pas le plus, hein, c'est moi qui vous dis le nom et le prénom. Donc, vous mettez le nom et le prénom. Comme ceci. Alors, n'hésitez pas aussi à regarder 2, 3 fois la vidéo parce que je vous dis, dans cette vidéo, il y a de l'énergie, il y a des fréquences et cela va vous aider à réussir les rituels. Rien ne presse, on le fait lentement, on le fait cool. Il ne faut pas être pressé pour faire des rituels. Donc, vous regardez 2, 3 fois la vidéo et ensuite vous vous lancez. Donc, on a écrit le nom et le prénom ici. Alors, on va le prendre dans la main et on va visualiser. On visualise.
et on sent bien, on met bien l'énergie. Ensuite, vous allez prendre sur les deux doigts de la salive et vous allez frotter sur le nom et le prénom. Vous allez vraiment frotter votre salive. On va mettre quelque chose de doux. Plus c'est l'ADN, donc c'est vraiment... Ensuite, voilà, on sèche le papier. Voilà, pour pas qu'il se casse quand on va le plier. On va à nouveau le mettre dans les mains et visualiser et donner son énergie. Alors vraiment dans une bonne énergie, vous faites comme si vous l'avez déjà, ce que vous désirez. Voilà. Ensuite, on va plier le papier une fois, deux fois et trois fois. Donc, on se retrouve avec ce papier-là. Voilà. Donc, c'est bien important de vraiment prendre son temps pour faire le rituel, pour que vraiment ce soit bien fait, avec de bonnes énergies. Ce papier-là, vous allez le mettre dans votre chaussure droite ou votre pantoufle. Et vous allez le porter 2 heures par jour. Minimum. Si vous pouvez le porter plus, vous le portez plus. Mais en tout cas, minimum 2 heures par jour. Donc, si vous changez de chaussure, vous le mettez dans l'autre chaussure. Ou alors à la maison, dans vos pantoufles, si ça tient. Pas le mettre dans la chaussette, hein. Quand vous êtes à la maison, si vous êtes dehors, si vous êtes à la maison, vous ne mettez pas de chaussettes dans vos pantoufles. Donc, ce qu'on va faire ensuite, quand vous allez porter cela pendant 21 jours, pendant 2 heures, quand vous avez minimum, hein, vous pouvez porter plus. Donc vous allez reprendre le papier qui sera un peu abîmé, hein, puisque vous aurez marché dessus. Vous allez l'ouvrir. Donc on va ouvrir le papier. On l'ouvre. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est le jeter sur la table. Vous allez le reprendre. Et ensuite, vous allez le jeter en dehors de chez vous. Dans une poubelle, mais il faut sortir la poubelle. En dehors, en tout cas. Donc, j'espère que vous aurez aimé ce rituel. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de prendre votre atelier, votre séminaire gratuit. Et si, de toute façon, tout est sous la vidéo en description. Et on se retrouve pour un prochain rituel.